Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous tenez bon au-delà des difficultés de la vie. Alors, aujourd'hui en fait, on va se prêter à un exercice. L'exercice qu'on va se prêter en fait aujourd'hui, c'est simplement de faire ce qu'on appelle le guérilla marketing. C'est quoi le guérilla marketing? C'est le marketing agressif en fait. Ce qu'on va faire aujourd'hui, l'exercice est simple, c'est qu'on va aller chercher des prospects en fait, en leur donnant simplement nos cartes de visite. Oui, tu l'as bien compris, le truc c'est que à un moment donné, on peut faire le bruit sur les réseaux sociaux, on peut parler, mais le truc c'est qu'il est clairement important de passer à l'action. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous allez en fait nous suivre. Comment est-ce que vous allez voir, comment est-ce qu'on va dealer avec parfois le fait qu'on va nous accepter ou encore le fait qu'on va nous rejeter. Mais c'est selon, et ça va dépendre des clients en fait. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui en fait, c'est un marketing agressif dans lequel on va aller rencontrer des prospects en leur tendant nos cartes de visite et en leur proposant nos services. Dans tous les cas, je me passe de commentaires et je préfère simplement vous emmener. Suivez-moi. Ce qu'on va faire ici maintenant, c'est que on va aller dans ce resto chinois là. Un resto chinois dans lequel on va déposer nos cartes de visite comme toujours et on va voir quoi. On va voir parce que le but ici, comme je vous disais, c'est du marketing agressif. On va dealer avec le rejet. Si on nous accepte, c'est bien. Si on nous accepte pas, mais c'est pas grave, c'est ça aussi entreprendre. Entreprendre, c'est pas juste rester devant ton ordinateur et puis pensant que les clients vont venir. Non. Entrepreneuriat, c'est bien au-delà de ça. Donc voilà, c'est un peu ça. You get it from here from a far off, okay? Yeah. Look at the mask. Tu nous a pas rejeté parce que là aussi il faut faire face à ça aussi. Donc on va aller de l'autre côté. Bah, ce qu'on est en train de faire, c'est pour faire en fait les endroits là où des contrats en fait en long terme. Tu vois un peu. Thank you. Voilà quoi, donc on va et on continue à... On continue comme ça à prospecter. Juste pour... Voilà quoi.